Quand la Bible dit « n'ayez pas peur », cela ne veut pas dire « n'éprouvez pas de peur ». Cela veut dire « quand vous avez peur, allez de l'avant et faites ce que Dieu vous demande de faire quand même ». Restez avec nous dans « Jouissez de votre vie ». Si votre vie est un désastre, c'est que vos pensées sont un désastre. Si vous voulez redresser votre vie, vous devez redresser vos pensées. Allons à Romains 12. Nous avons lu ce passage la veille, mais je me trouve amenée à commencer là de nouveau. Romains 12. Je me rappelle étant une jeune croyante, je lisais et relisais Romains 12, verset 2. Un verset si puissant. Dieu a une bonne volonté pour la vie de chacun. Pas seulement pour ceux qui sont sur l'estrade, mais pour tout le monde. Jérémie 29, verset 11 nous dit que Dieu a un bon projet pour nous. Il a l'intention de nous bénir. Satan a un projet, mais Dieu a un autre projet. Et celui avec qui nous allons nous mettre d'accord verra son projet se réaliser dans notre vie. L'esprit est le champ de bataille. Satan nous ment. Il est le père du mensonge. Il ment et il ment et il ment. Et quand une personne est dupée, elle est dupée parce qu'elle a cru une chose qui n'est pas vraie. Mais bien qu'elle ne soit pas vraie, elle devient vraie pour elle parce qu'elle la croit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Cela s'applique non seulement à la forme négative pour les bonnes choses que nous voulons, je veux dire à la forme positive pour les bonnes choses que nous voulons, mais aussi à la forme négative pour les mauvaises choses que nous ne voulons pas. Job a dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Savez-vous ce qu'est la peur? La peur, c'est croire ce que Satan dit. Quand nous croyons ces mensonges et que nous reculons de peur, évidemment, tout le monde va sentir la peur. Mais j'ai saisi un petit principe il y a des années de là qui m'a vraiment aidé, ainsi que des milliers d'autres personnes. Quand la Bible dit « n'ayez pas peur », cela ne veut pas dire « n'éprouvez pas de peur ». Cela veut dire « quand vous avez peur, allez de l'avant et faites ce que Dieu vous demande de faire quand même et ne reculez pas de peur. Faites-le malgré votre peur. » Nous voulons toujours ne rien éprouver ou ne pas être tentés. Et parfois, nous pensons que la seule façon de bien faire, c'est que toutes les tentations soient supprimées. Mais ce n'est pas du tout le cas. Il y a des choses que je fais sans avoir aucune peur. Et puis, il y a des moments où j'ai vraiment peur, surtout si je suis dans une nouvelle situation. J'ai été en Jamaïque le week-end dernier. Je n'étais pas à l'aise là-bas comme je le suis ici, parce que je suis habituée à ici. C'était une chose nouvelle. Mais j'y suis allée quand même, et nous avons eu une grande victoire. Beaucoup de gens ne marcheront jamais sur l'eau parce qu'ils ne sortiront jamais du bateau. Ils laissent la peur s'emparer de leur vie, et cette peur est causée par les mensonges que le diable nous raconte. Il est si important de connaître la vérité de la parole de Dieu, car seule la vérité nous affranchira. Dieu a un bon projet pour votre vie. Satan va essayer de le voler, car il a un autre projet. La façon dont il va le voler est de vous mentir, de vous tenter et de vous mentir. Vous devez vous demander, avec qui êtes-vous allié? Si le diable est en train de vous dire, vous n'allez jamais surmonter votre passé, c'est un mensonge. C'est un grand mensonge, car la Bible dit que sa miséricorde est nouvelle chaque jour. Et nous voyons dans la parole de Dieu qu'il est le Dieu de la seconde chance et de la troisième chance, et paraît-il de toutes les chances dont on a besoin avant de trouver le bon chemin. Et Dieu ne va pas renoncer à vous si vous ne renoncez pas à lui. Il n'y a pas de fosse trop profonde pour qu'il ne puisse l'atteindre et vous en faire sortir. La Bible dit « La main de l'Éternel est-elle trop courte pour sauver ?» Je suis contente que le bras de Dieu ne soit pas trop court, son bras est long. J'ai été dans beaucoup de fosses dans ma vie et il a dû baisser le bras pour m'en faire sortir. Peu importe là où vous commencez, ce qui compte vraiment est là où vous finissez.
J'ai l'intention de faire la course et de traverser la ligne d'arrivée. Mais le diable n'aime pas ça. Il ne veut pas que nous finissions la course. Il ne veut même pas que nous commencions, mais quand nous commençons, il œuvre continuellement pour s'assurer que nous n'allons pas finir. Mais Dieu a un bon projet pour votre vie. La Bible nous dit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ça veut dire « Ne pensez pas comme les autres, ne faites pas comme les autres, ne parlez pas comme les autres. » N'adoptez pas le projet financier du monde. Car Dieu a un projet pour tout. Mais son projet est si souvent ignoré car il n'a aucun sens pour notre esprit. La Bible amplifiée dit « L'esprit de la chair est sentiment et raison sans le Saint-Esprit. » Vous ne pouvez pas vivre sans réfléchir et vouloir que tout ait un sens pour vous et avec ça marcher selon l'esprit. Ça ne va pas marcher. Si vous voulez marcher selon l'esprit, vous devez apprendre à vivre de l'intérieur. Je veux dire là que vous devez apprendre à vivre par le discernement. Vous devez faire ce qui semble bon pour votre âme, pas ce qui semble bon pour votre raison ou ce qui semble bon pour votre chair. Suivez la paix. Ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que vous préférez perdre votre réputation auprès de quelques personnes et accepter que vous leur déplaisiez, ou bien perdre tout le projet de Dieu pour votre vie? Bien souvent, nous échangeons notre réputation avec les gens contre plutôt notre réputation auprès de Dieu contre une réputation avec les gens. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde veut chercher une petite boîte et vous fourrez dedans. Lorsque tous les autres nagent avec le courant, vous devez être le genre de personne qui nage contre le courant. Quelqu'un doit aller contre le courant car il n'aime pas la direction que ce courant est en train de prendre. Alléluia! Eh bien, tout le monde le fait. Eh bien, j'aime ce qu'une fille a finalement dit à son petit ami. Elle a été sauvée et lui ne voulait rien à faire avec ça, et il se moquait d'elle et se moquait d'elle. Finalement, elle en a eu ras-le-bol et lui a dit, « Bon, écoute, si tu ne veux pas aller au ciel avec moi, je ne veux pas aller à l'enfer avec toi. » Ne vous conformez pas au siècle présent. Mettez-vous cela dans la tête. Mais soyez transformés. Comment ? Par le renouvellement de votre intelligence. Comment sommes-nous transformés? Cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Nous ne sommes pas transformés par la prière ou l'imposition des mains. Nous ne sommes même pas complètement transformés lorsque nous sommes régénérés. Quand vous êtes régénéré, vous sortez de l'esclavage et vous vous dirigez vers la terre promise. Mais vous pouvez passer toute votre vie chrétienne à traîner dans le désert si vous ne redressez pas vos pensées. Les Israélites, par exemple, ont traîné 40 ans pour essayer de faire un voyage de 11 jours d'après la Bible. Dieu a dit, vous avez été dans ces montagnes assez longtemps. Il est temps de vous mettre en route. Et un de leurs plus grands problèmes n'était pas les nations ennemies qui les menaçaient, c'était leur attitude puante et leur mauvais esprit. Et ils murmuraient tout le temps, ils grognaient et murmuraient et ils se plaignaient. Celui qui se plaint pense à ses problèmes au lieu de penser à la solution que Dieu peut apporter. Ah oui, nous avons une chambre dans la maison où nous vivons qui s'appelle la chambre de mes problèmes. La veille, j'ai enseigné un message intitulé « Une maison faite de pensées ». Et j'ai apporté des blocs ici et j'ai expliqué comment chaque pensée que nous pensons est une autre brique dans la maison que nous construisons. Et plusieurs fois, nous y sommes emprisonnés avec l'ennemi parce que nous avons écouté toutes ses pensées. Une forteresse et une région qui est dominée dans notre esprit par Satan. Il nous ment et il nous ment et il construit une forteresse. Et puis il entre dans cette région de pensée et nous domine à partir de cette forteresse. La Bible dit que nous devons renverser les imaginations et toutes ces forteresses qui sont construites dans nos esprits et que nous devons exalter la parole de Dieu et la croire plus que nous croyons les mensonges du diable. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ces forteresses sont construites dans nos esprits. Là où l'esprit ira, l'homme suivra. Proverbe dit « Comme un homme pense dans son cœur, ainsi il le devient. » Je vous ai montré la veille. Roxane, monte ici, aide-moi pour une minute et fais ce que Sandy a fait la veille car elle n'est pas là. Parfois, nous profitons d'une image beaucoup plus que des mots. Si je suis un esprit et elle est un homme, partout là où l'esprit ira, l'homme suivra.
Vous n'allez pas... Vous savez, c'est comme ça. L'esprit mène l'homme. L'esprit mène l'homme, que ça vous plaise ou non. Amen. Si je change de direction, Roxane me suit. Merci. Combien de vous me comprennent? Là où l'esprit ira, l'homme suivra. Nous construisons cette maison là où nous vivons, qui est notre vie. Nous construisons une vie pendant des années. La vie ne se produit pas tout à coup. La vie que j'ai maintenant est la vie que j'ai bâtie avec l'aide de Dieu en suivant Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Suis-moi. Qu'est-ce qu'il est toujours en train de dire aux gens? Suivez-moi. Cela veut dire suivez mes principes, faites ce que je fais, lisez la Bible. Vivez la vie. Le christianisme n'est pas venir à l'autel, c'est un style de vie. C'est une vie qu'on construit. Nous ne sommes pas spirituels parce que nous allons à l'église le dimanche et achetons les cassettes de tout le monde. Nous sommes spirituels parce que nous vivons dans l'esprit de notre vie ordinaire de tous les jours. Nous vivons ces principes. Il y a 25 ans de là, quand ma vie était un désastre, j'étais chrétienne, j'étais régénérée. J'aimais Dieu, j'allais à l'église tout le temps, j'étais au comité de l'église, mon mari était un ancien à l'église, et nous étions comme nous étions supposés être. Et j'aimais Jésus, mais je n'avais aucune victoire dans ma vie. J'ai crié à Dieu et j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit dans mon automobile, et je n'ai même pas su ce qui m'arrivait, mais j'ai su que c'était Dieu, et ça m'a fait du bien, et ça m'a plu. Mais j'ai vite appris que ça n'a pas plu aux autres. J'ai perdu tous mes amis, et j'ai été renvoyée de mon église, puis Dieu m'a appelée à prêcher. Et je vais vous dire, approchez-vous de Dieu, et il va bouleverser votre vie. Il aime choisir des choses ordinaires que le monde regarde comme ordures et s'en servir pour des choses importantes et puissantes. La Bible dit que Dieu fait exprès de choisir les choses faibles et folles du monde pour confondre les sages. Et me voilà devant vous ce soir, une chose faible et folle. Dieu s'est approprié de moi il y a 25 ans dans mon automobile. Eh bien oui, vous savez, j'ai une belle vie maintenant. Tous mes enfants sont sauvés. Mon mariage est réussi. Nous avons un ministère international. Nous prospérons. Nous sommes en train d'aider beaucoup de gens. J'ai de beaux habits. J'ai une belle voiture. Mais je n'ai pas commencé là. Je me rappelle, il y a 25 ans, que je lisais Romains 12, 2, quand mon esprit était un désastre. Si négatif et si critique. Je n'avais confiance en personne, je n'aimais personne, j'avais tellement de problèmes. Renouvelez complètement vos esprits, renouvelez complètement vos esprits. Et maintenant j'ai une belle vie, mais c'est une vie qui a été construite, une brique à la fois. Dieu nous change, mais il le fait petit à petit. Ne vous exaspérez pas si vous avez un désordre qui a pris 40 ans pour se former, si Dieu ne le redresse pas en 2 semaines. Dites à celui qui est à côté de vous, tu ferais bien de te calmer, car ça va prendre quelque temps. Je voudrais m'assurer que tous ceux qui nous regardent à la télé le comprennent eux aussi. Calmez-vous, nous héritons les promesses de Dieu, non seulement par la foi, mais par la foi et la patience. Hébreux nous dit ça. Nous devons être patients avec Dieu pendant qu'il travaille dans nos vies. Il nous change de gloire en gloire, petit à petit, jour après jour. Dieu veut nous donner une bonne vie, mais nous n'allons jamais la voir à moins d'apprendre à vivre le genre de vie que Dieu veut que nous vivions. Alors, nous avons établi la veille que nous avons cette maison que nous avons construite et qui contient toutes sortes de chambres. Et ce matin, nous avons commencé à redécorer la maison. On a dit, certains devraient peut-être la démolir complètement et recommencer à zéro. D'autres ont 2 chambres qui sont en désordre et vous devez les nettoyer. Nous appelons ça « nettoyer votre esprit ». Nous en sommes maintenant à la 2e partie. Ce matin, nous avons parlé de la chambre du pardon, ou plutôt la chambre du non-pardon, là où nous allons lorsque nous ne voulons pas pardonner à quelqu'un et nous voulons juste penser à tout ce qu'ils nous ont fait. Nous avons parlé de la chambre « vivre dans le passé ». Là où nous aimons aller et penser au passé, les bonnes choses du passé, les mauvaises choses du passé. Vous savez, les souvenirs sont bons. Nous sortons les albums de photos et nous parlons des enfants quand ils étaient petits. Ces choses-là sont amusantes. Je ne parle pas de ça. Je parle de vivre dans le passé tout le temps. Vivre dans le passé. Si vous vivez dans le passé, vous allez rater le futur.
Ce soir, nous allons commencer avec la chambre « Je n'ai rien et je ne peux rien faire ». C'est une place où nous allons, je pense plusieurs fois, quand nous voulons fuir nos responsabilités. Je n'ai rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux rien faire. Je ne suis qu'une ménagère. Je ne suis qu'un comptable. Je ne suis qu'un terrassier. Jésus était menuisier. Pierre était pêcheur. Matthieu était percepteur. Je faisais mon lit quand Dieu m'a appelé. Dieu est plus que ravi de venir à vous là où vous êtes et de vous appeler à son service. Arrêtez de chercher quelques grands dons spirituels et prenez votre don et rendez-le spirituel. Vous pouvez faire quelque chose. Ce que vous pouvez faire est aussi important que ce que je peux faire. Simplement parce que vous n'allez jamais être devant un public ne veut pas dire que votre don n'est pas important. Il faut beaucoup de gens pour organiser une réunion comme celle-ci. Je n'aurais pas pu être devant vous sans l'aide de toute l'équipe. J'aime une phrase qu'un homme nommé Everett Hale a écrite. J'en suis plutôt tombée amoureuse et je crois que c'est la façon dont nous devons commencer à penser. Je ne suis qu'un, mais je suis un. Je ne peux pas tout faire, mais je peux faire quelque chose. Ce que je peux faire, je dois le faire et par la grâce de Dieu, je vais le faire. Dieu ne vous demande pas de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Il vous demande de lui faire confiance et de croire que si vous lui donnez ce que vous avez, il va y mettre sa puissance et il va travailler à travers vous. Je n'avais rien à donner à Dieu sauf une bouche. Je suis devenue une bouche dans le corps du Christ. Je ne chante pas, je n'écris pas des poèmes, je ne fais rien de spécial. Vraiment, ça me faisait peur au début parce que vous savez, parfois lorsque vous êtes dans ma position et que vous avez des milliers de personnes devant vous, vous vous sentez presque contraint à poser pour impressionner. Et je ne fais que parler. Je suis une bouche. Rien qu'une bouche. Mais Dieu se sert de ma bouche pour changer des millions de vies, je crois. Au moins, beaucoup de gens nous disent qu'ils changent. Une bouche, rien qu'une bouche. C'est vraiment passionnant lorsque vous y êtes. Mon mari, d'autre part, n'est pas l'orateur éloquent que je suis. Il peut se lever et dire ce qu'il a à dire. Mais Dave n'aime pas être là-haut tout le temps à prêcher, mais Dave a un don énorme pour la finance. Quand Dave était jeune garçon, il mettait déjà de l'argent de côté dans ses chaussettes. Il avait beaucoup de frères et de sœurs et leur famille était plutôt pauvre. Et personne, aucun de ses frères et sœurs n'avait jamais rien, mais Dave avait toujours de l'argent parce qu'il le mettait de côté. Il a acheté une nouvelle voiture lorsqu'il avait 17 ans et l'a payé comptant. Parce qu'il avait de l'argent de côté. Et Dave est toujours doué à faire ça. Je ne suis pas aussi doué que lui. Je suis doué à dépenser. Je peux payer mes factures et je peux gérer le budget domestique. Mais vraiment, il a un don pour l'argent. Alors, vous savez, Dieu met une bouche avec quelqu'un qui sait gérer l'argent. Eh bien, vous savez, je suis plutôt comme... Donnez-moi l'essentiel et finissons-en. Mais quelqu'un doit s'occuper des détails. Ainsi, nous avons tous un rôle et Dieu nous réunit tous pour accomplir son travail et son projet en son nom et pour lui attribuer le mérite et la gloire. Mais vous devez arrêter de dire que vous ne pouvez rien faire et que vous n'avez rien. Vous devez inventorier non ce que vous avez perdu, mais ce qui vous reste. Et offrir ce qui vous reste à Dieu, et Dieu va y mettre sa puissance et va en faire quelque chose. Allons à Exode 4. Je veux vous parler de quelques personnes dans la Bible qui ont donné à Dieu ce qu'ils avaient. Et ce qu'ils avaient n'était pas grand-chose. Dans certains cas, c'était si peu au point d'être embarrassant.
Exode 4.1. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne m'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une houlette. » C'était probablement comme un bâton, vous savez, comme une canne pour s'y appuyer. L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. C'était le symbole de la force royale et divine mise sur les couronnes des pharaons. Et Moïse eut peur et fuit de devant lui. Quel est le message là? Moïse a dit, ils ne vont pas me croire, je ne peux pas aller faire ça. Je ne peux pas faire sortir tout ce peuple hors de l'esclavage, je ne suis pas l'homme qu'il faut. Moïse, arrête de me dire ce que tu n'as pas et ce que tu ne peux pas faire. Qu'y a-t-il dans ta main? Une canne. Donne-la-moi. Il la remplit de sa force. Vous voyez, Dieu peut se servir d'une chose minable. Il s'est servi d'un âne pour parler à un prophète. Non, mais franchement, si Dieu peut se servir d'un âne, il peut se servir de moi et de vous. Je veux que vous saisissiez cela ce soir. J'en ai assez des gens qui se tiennent à l'écart à regarder tous les prédicateurs. Je souhaite. Vous pouvez avoir tout le cartilage que vous voulez, mais c'est la colonne vertébrale qui va faire le travail. Eh bien oui, ça fait peur quand vous commencez avec rien qu'une canne. Ou rien qu'une bouche. Mais comment vous découvrez la volonté de Dieu pour votre vie? Un pas à la fois. Nous voulons que tous les plans soient étalés devant nous pour que nous puissions voir le projet en entier. Mais vous n'allez jamais savoir ce que Dieu veut de vous si vous ne commencez pas à faire quelques pas. Et ces pas font peur. Ils ne sont pas toujours faciles à faire. Une canne. Il a oint une canne. Il a mis sa force dans une canne. Et Moïse a fendu la mer rouge avec cette canne. Tends ta canne sur la mer. Dites tous une canne. Oh, mais je vous dis, nous allons dans notre chambre et nous pensons, je n'ai rien. Je ne peux rien faire. Dieu ne peut pas se servir de moi. Si seulement j'étais comme Joyce. Allez à Marc chapitre 6. Verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule. Et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, afin qu'ils puissent s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même de quoi manger. » J'aime vraiment ça, car nous voulons toujours que les autres s'en aillent et se débrouillent tout seuls. Jésus leur dit, « Occupez-vous d'eux. » Ils ont dit, « Nous n'avons rien pour nous occuper d'eux. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?»« Qu'on aille acheter du pain pour 40 dollars, car c'est tout ce que nous avons, et le donner à manger à 5000 personnes ?» Vous voyez, leurs esprits étaient fermés. Et parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils avaient assez pour combler le besoin, ils ont décidé de ne rien faire. Aujourd'hui au programme, nous avons parlé de l'importance de nettoyer nos pensées. Maintenant, je veux dire que nous ne pouvons pas le faire sans l'aide de Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 10 que nous devons renverser les imaginations erronées et toute hauteur qui s'élève contre la véritable connaissance de la parole de Dieu. Cela nous apprend que nous devons penser à ce que nous pensons
et que nous devons être responsables de nos pensées, vraiment responsables de nos pensées, et que nous ne devons pas penser à tout ce qui nous passe par la tête. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole et que Jésus est mort pour nous donner cette vie en abondance. Que Dieu vous bénisse. J'espère vous revoir avec moi demain. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.